مساء الخير. التقاها في بداية الخمسينات وكانت تعبر الطريق لتركب القطار، فإذا به يتبعها. نظر إليها بعاطفة غريبة، فإذا بها تبتسم له. ومنذ ذلك الوقت بدأت المغامرة ليخطو إلى القمة ويحقق إمبراطورية فاقت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات. من قلب سويسرا وعلى مسافة 200 كيلومتر من العاصمة نلتقي الليلة الرجل الذي أعاد إلى صناعة الساعة في العالم اعتبارها بعدما احتضرت لفترة طويلة، فإذا بالاقتصاد السويسري ينتعش من جديد. نظرته ثاقبة، ابتسامته مربكة، يهابه الصحفيون لإجاباته اللاذعة، روحه مرحة، في قلبه طفل صغير يرفض أن يشيخ. ربطة عنقه غير معقودة دوما، شعره قليلا ما يسرحه، السيجار الكوبي لا يفارقه أبدا، وتحديدا المونتي كريستو رقم 4. الحوار معه تحد بحد ذاته، وأنا أعشق التحديات. نورا حيك ونيكولا حيك، مساء الخير. مساء الخير، بونسوار. Cette année vous fêtez vos 75 ans. Tous mes souhaits pour une longue vie, bien entendu. Dites-moi, ressentez-vous le poids des années ? Un tout petit peu, oui. Seulement, je me sens encore très jeune. Mais avant, j'étais plutôt enfant. Et maintenant, je commence à devenir un peu plus âgé. Vous êtes le roi des montres qui disent et qui lisent le temps. Vous êtes en parallèle, en course continue avec le temps. Quel regard portez-vous sur la notion du temps ? Quelle est votre perception de la notion du temps ? Ben écoutez, j'ai toujours dit la notion du temps pour moi a deux aspects extrêmement passionnants. La première, j'adore le temps parce qu'il m'a donné des moments de ma vie qui sont absolument excellents et je les savoure tous les jours. Et je hais le temps parce que j'arrive pas à le tenir. J'arrive pas à le stopper, j'arrive pas à le mettre dans ma main, à l'emprisonner. Y a-t-il des moments particuliers que vous souhaiteriez saisir, arrêter et en profiter ? Oh, c'est pratiquement toute ma vie. Ricardo, c'est pratiquement toute ma vie. Moi, j'ai bu la vie, j'ai savouré la vie constamment. On me demande combien de temps vous travaillez par jour. Je dis, je m'amuse pendant 14 heures toute la journée. Je crée, je fais des choses. Alors, comme entrepreneur, vous savourez la vie constamment. C'est tous les moments de la vie, même les moments tristes, on peut les savourer. Les années d'expérience vous ont-elles fait perdre les fantaisies de l'enfant ? Non, je crois au contraire. Au contraire, je me suis aperçu que si vous n'avez plus de fantaisie, vous ne vivez plus, vous êtes mort. C'est à ce moment-là où vous apercevez qu'il faut continuer à avoir beaucoup de fantaisie, qu'il faut continuer à être fantaisiste, à avoir de l'innovation, à avoir des idées nouvelles, et surtout à ne pas croire seulement à ce que vous voyez au réel. L'irréel existe. Vous avez toujours dit, depuis votre tendre enfance d'ailleurs, je suis Nicolas le Vif et j'ai un cœur de lion. C'était un petit discours que j'ai fait dans une école à Charfillet. Je me rappelle très bien, j'étais pas plus haut que trois pommes. Et on m'a appris à le dire, et je l'ai dit évidemment en arabe à l'époque. Et évidemment, toutes les mères qui étaient présentes là-bas ont eu des larmes aux yeux. Et moi, j'étais fier de faire pleurer des jolies femmes comme ce qui était dans la salle. Vous avez continué à le faire par la suite, faire pleurer des jolies femmes ? Non. Les jolies femmes, je ne les fais plus pleurer. Les plus belles femmes du monde. Cindy Crawford. Entre autres. Entre autres. Et Nicolas Hayek, vous êtes croyant, il est vrai, puisque vous le dites vous-même. Pourtant, vous vous considérez comme un être gâté. Vous estimez que le bon Dieu vous a gâté personnellement. Dites-moi, le bon Dieu a-t-il une préférence sur ces sujets, ou bien se situe-t-il à une distance égale de tout le monde ? Je crois que le bon Dieu est démocratique. Il nous donne à tous les possibilités de nous développer. C'est les circonstances, la société, les gènes familiaux que vous recevez, les possibilités que vous avez de vous développer et surtout le courage que vous avez de vous développer, de couper des choses que vous ne voulez pas accepter et de partir, par exemple, si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas vous développer. C'est ça qui fait la différence. Oui, je suis croyant, mais il y a eu un moment dans ma jeunesse où je n'étais pas plus croyant que... Par exemple, j'ai douté. C'est seulement, vous vous rappelez, j'étudiais les mathématiques physiques. Et plus vous entrez dans la physique et la chimie, et plus vous entrez et vous arrivez aux plus petites molécules, aux plus petits quarks, vous vous dites d'accord, mais après, qui a créé ce quark ? Il y a quelqu'un qui l'a créé. Et tous les savants du monde ne pourront pas vous expliquer comment cette,
C'est cet univers énorme que nous avons été créé. Moi, j'oublie jamais que nous sommes tous de toutes petites fourmis. C'est une toute petite planète, dans un tout petit univers solaire, dans un énorme univers. Et si vous n'oubliez pas ça, vous restez terriblement, terriblement modeste, égal à ce que vous avez fait dans la vie. Vous vous dites, oui, bon, d'accord, mais... On vient sur cette terre dans quel but, Nicolas Hayek? Est-ce qu'on vient pour laisser une empreinte, pour laisser une trace? C'est ce que j'ai cru quand j'avais 10 ans. Mmh. J'ai toujours dit à ma mère, comment peut-on venir sur cette terre sans laisser une trace et repartir après, et on n'est plus rien? Aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas de but. La création, la nature, c'est quelque chose de très beau qui a été créé par Dieu sur cette terre. J'espère qu'il y a d'autres dans l'univers, mais nous ne savons pas aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'extrêmement beau. Maintenant, l'être humain en lui-même, il vit... Ça, c'est le train, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, on vit 70 ans, 80, 90, 100 ans, peut-être plus tard, un peu plus. Et finalement, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est chercher le bonheur pour nous, mais ce qui est beaucoup plus important, le bonheur pour tous les gens autour de nous. Parce que vous ne pouvez pas être heureux si vous êtes le seul qui est heureux dans un quartier où les autres sont tous pauvres, sont tous incapables d'avoir le bonheur eux-mêmes. Donc vous devez avoir tout le monde autour de vous qui est heureux. C'était un peu la moto de ma vie. C'est ce qui m'a fait à reprendre toute l'industrie horlogère suisse pour ne pas fermer les usines, pour ne pas avoir du chômage, pour donner du travail à tout ce monde-là. Et ça a toujours conduit ma vie. Si je fais une voiture écologique aujourd'hui, c'est pour ne pas que cette planète complètement se détériorise. Dans 20 ans, imaginez-vous, dans 20 ans, si tous les Hindous et tous les Chinois vont avoir le même degré de locomotion que les Américains, les Suisses, les Français ou les Allemands, ben, il n'y aura plus d'oxygène sur cette terre. Et c'est dans tous ces buts-là de rendre le bonheur à tous les autres que vous avez un but dans la vie, que vous pouvez être heureux. Hmm. Nicolas Hayek, justement, vous n'avez pas le sou. À un moment donné, vous ne pensiez qu'à une chose. C'est arrivé aux besoins de votre famille, constituée et composée d'une femme, de deux enfants. Mmh. Vous êtes battu sans pour autant vous départir de vos principes, sans pour autant virer aux malhonnêtes, mais les tentations sont toujours attrayantes et stimulantes. Fut-il difficile de ne pas s'y soumettre? Non, pas tout à fait. Regardez, si vous êtes dans une société comme celle-là où vous avez des possibilités, autres que celles d'être malhonnête, vous pouvez le faire. N'est-ce pas? Je donne ça comme conseil à tous les jeunes, tous les jeunes qui écoutent ici. Ne courez pas la langue pendante derrière l'argent parce que vous ne l'aurez jamais. Moi, je n'ai jamais pensé avoir tout l'argent que je voulais. Je voulais avoir assez d'argent pour soutenir ma famille, pour être sûr qu'ils ne vont pas mourir de faim. Mais ce que je voulais, c'est créer, faire de belles choses, faire des choses autour de moi. Et quand vous faites ça dans une société comme celle-ci, et c'est ça qui est très important, c'est d'être dans une société qui vous donne les possibilités. Vous êtes vous-même étonné de l'énorme quantité d'argent que vous recevez. Mais l'argent que j'ai aujourd'hui, je l'utilise comme instrument de travail, comme le peintre utilise la peinture pour faire de la peinture. Ce n'est pas de l'argent que j'utilise pour être sur un bateau avec 38 jeunes dames et 200 kilos de 200 litres de champagne. Et pour m'amuser, tout ça, je l'utilise pour m'amuser à créer de nouvelles industries. Aujourd'hui, le Swatch Group est la plus grande industrie du monde, horlogère, la plus grande, et de loin. La dernière fois que je vous ai vu, on n'était pas les plus grands. Nous sommes aujourd'hui un empire où le soleil ne se couche jamais. Nous avons 158 usines, 320 compagnies, 20 000 personnes qui travaillent, plus à peu près 40 000 personnes qui dépendent de nous parce que nous achetons chez eux des tas de choses. Alors, quand vous arrivez à faire une chose comme ça, et vous créez toute la journée, depuis les montres les plus luxueuses que les rois et les sultans vous achètent, et les montres qui sont pour tout le monde, ben vous avez du plaisir à la vie. Mmh. Alors, vous vous apercevez soudainement que vous êtes un des hommes les plus riches du monde. Et alors, la richesse, c'est pas une mesure. La mesure réelle, ça vient ici, ici, et puis un peu le cœur. Comment vous percevez la richesse? Écoutez, la richesse, pour moi, a deux aspects très importants. Le premier, c'est que les gens que j'aime, qui sont autour de moi, qui soient assurés de ne pas mourir de faim et de ne pas avoir des problèmes dans la vie qui sont des problèmes financiers. C'est assez important.
Une fois que ceci est assuré, le reste, c'est pour investir, créer des postes de travail. C'est ce qu'il faut faire au Liban. Créer des postes de travail. Le Liban, c'est comme la Suisse. Ce sont des pays qui, tous les deux, n'ont pas de matières premières. Mais ils ont des populations bien éduquées, bien formées, très actives, qui peuvent travailler, qui sont capables de travailler, qui sont capables de faire des choses. La Suisse a su en profiter, avec beaucoup de chance, puisqu'elle est au cœur d'une Europe qui est pacifique aujourd'hui, où il n'y a pas de guerre. Et avec ça, avec le tourisme, qui nous donne à peu près 50 milliards de francs suisses de revenus annuels en Suisse, ce qui est quelque chose d'absolument sensationnel, et avec évidemment des industries spécifiques que nous avons créées nous-mêmes, plus des services comme les banques et les types d'ingénieurs, nous sommes devenus un des pays les plus riches au monde, comparable à des pays qui ont du pétrole ou qui ont des matières premières, mais qui n'ont pas la population que nous avons. Le Liban est capable d'avoir la même chose. Le Liban, nous allons en reparler dans la seconde séquence de cette émission. Pour l'instant, nous restons toujours dans le domaine, dans le monde de la richesse et de l'argent. Nicolas Hayek, vous êtes aujourd'hui l'un des 200 hommes les plus riches et les plus puissants de la planète. La puissance, comment vous en servez-vous ? Non, je ne suis pas malheureusement le plus puissant. Si j'étais le plus puissant, j'irais chercher M. Bush et je lui dirais « M. Bush, on ne fait pas de guerre ». Et puis on revient à la liberté, à la démocratie que nous avions avant. Nous allons être justes envers tous les peuples. Nous allons trouver des solutions pour le peuple palestinien. Nous allons trouver des solutions pour les peuples oppressés. Nous allons trouver sur une terre où tout le monde, comme en Suisse, a ce que nous appelons le « finance ausgleich », c'est-à-dire répartir les richesses pour qu'il n'y ait personne qui meure de faim, pour qu'il n'y ait personne qui est pauvre, pour qu'il n'y ait personne qui se dise « Pourquoi lui, il a et moi, je n'ai pas ?» Mais je n'ai pas cette puissance, malheureusement. L'argent ne vous donne pas de la puissance. Il vous faut beaucoup plus que ça. Il vous faut des armées, il vous faut de la politique, il vous faut un énorme peuple derrière vous. Or, la Suisse, c'est 7 millions d'habitants. Nicolas Hayek, est-ce que vous estimez aujourd'hui tout avoir ? Non. Qu'est-ce qui vous manque ? Non, je suis terriblement malheureux aujourd'hui de la situation de cette planète. Parce que moi, quand j'étais tout jeune, il y avait une guerre qui avait fini, on nous avait dit « fini les guerres ». Maintenant, nous allons commencer à développer cette planète, tout le monde va être riche, tout le monde va pouvoir travailler, tout le monde va pouvoir avoir ce dont il a besoin, puisque nous avons l'énergie atomique qui est bon marché, on n'a plus besoin de rien d'autre, et puis nous allons tout faire maintenant, puisqu'il va y avoir la démocratie, la démocratie et la démocratie. Ben malheureusement, cette démocratie, pour le moment, elle ne prouve pas qu'elle est terriblement juste envers tout le monde. Il est vrai qu'on ne peut pas se désensibiliser de ce qui se passe autour de soi, oui. Mais sur le plan personnel, qu'est-ce qui manquerait à Nicolas Hayek ? Écoutez, je ne suis pas un égoïste. Si j'étais un égoïste, je ne vous dirais rien. Mais il me manque exactement ce que je viens de vous dire. Moi, je ne suis pas aussi heureux que j'étais il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, parce que je vois ce qui se passe autour de moi. Et je suis un homme qui regarde toujours ce qui arrive aux autres. Et je ressens ce qui se passe avec les autres. Je ne me dis pas, moi, je m'en fous, moi, je suis tout seul ici. Ça, c'est un des graves défauts que nous avons quelquefois dans la politique chez nous, dans le Moyen-Orient. C'est qu'on se dit, bon, moi, je suis bien, mais les autres, on verra plus tard. J'ai appris ici. Et je l'avais dans ma mentalité, même avant de venir, mais j'ai appris ici que si les autres ne sont pas heureux, t'es pas heureux non plus. Nicolas Hayek, le géant de l'industrie horlogère, une pause avec la pub et puis par la suite, nous allons reprendre cet entretien. Passionnant avec vous, restez avec nous. Le président français Jacques Chirac, lorsqu'il vous a rendu visite avant qu'il ne soit président, il était à l'époque maire de Paris, vous avez invité à visiter le Liban. Nous, par la suite, comme un des mortels, avons réitéré cette invitation. Mais la réponse a toujours été la même, si l'on avait besoin de moi. Aujourd'hui, cette réponse aurait-elle changé ? L'invitation est un grand honneur pour moi, pour commencer. C'est sans aucun doute, et je ne le dis pas par politesse. Seulement, le Liban, c'est mon pays. Si je vais au Liban, je vais aller incognito. Chemise ouverte, sans cravate, en short,
en train de marcher partout, je ne veux pas qu'on sache qui je suis. Parce que si on sait juste qui je suis, je n'ai pas le bonheur de l'incognito que j'avais quand j'étais là-bas. Mmh. Si je viens en visite plus ou moins officielle, comme un des nombreux héros libanais qui sont dans des pays étrangers, alors là, à ce moment-là, c'est une perte de temps pour les Libanais, c'est une perte de temps pour moi, à moins que ça serve à quelque chose. Si ça servait dans un plan général pour le tourisme, si ça servait dans un plan général pour le développement, moi je serais prêt à le faire. Je le fais tout le temps pour le gouvernement civil, je le fais tout le temps pour le gouvernement américain, je le fais tout le temps pour la communauté européenne, je le fais tout le temps pour des tas d'organisations. Mais aller là-bas pour me faire fêter et d'avoir une fête tous les jours, c'est dommage pour l'argent qu'on va dépenser pour ça. Et c'est dommage pour le temps qui va être perdu. Et puis je repars après, et qu'est-ce qu'il y aura, le vide? Mais c'est plus qu'un plaisir pour le Liban, c'est plus qu'un plaisir pour les dirigeants libanais, pour la communauté libanaise. Ils en sont fiers, ils sont fiers de vous. Oui, mais écoutez, moi je suis fier d'eux aussi. Mais la fierté à elle seule ne vous amène pas ce qu'il faut faire. Le Liban a des problèmes à résoudre. Mais de nombreux pays se sont mobilisés pour le Liban. Nicolas Haït, qui a créé des postes d'emploi par milliers. Pourquoi ne pas venir en aide à son propre pays? Écoutez, moi j'ai pu créer les choses quand j'étais seul à décider. Mmh. C'est-à-dire quand j'ai acheté la majorité de cette compagnie, bah, c'était moi qui décidais. Il n'y avait pas 50 personnes qui chacun donnait son opinion et son avis. Parce qu'il y a toujours des tas de gens beaucoup plus intelligents que vous qui savent mieux que vous ce qu'il faut faire. Alors si vous arrivez à décider vous-même et vous montrer la route, et surtout vous donner à tous ceux qui sont autour de vous, vous les motivez, vous leur donnez la passion d'avancer, ben vous avez des résultats. Si vous êtes là à pérorer, faire des discours, bavarder avec tout le monde, vous perdez votre temps. Mmh. Et moi, j'aime pas perdre mon temps. Et le Liban, remettre le Liban en route n'est pas une position qu'un économiste ou un entrepreneur peut faire. Il faut beaucoup de gens qui le fassent. Et il faut beaucoup revoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas seulement dépendant du Liban tout seul. Je vous l'ai dit avant, il y a tout ce qu'il y a autour du Liban. Le milieu ambiant. Oui, mais il y a une chose que j'ai beaucoup appris en Suisse, dans les 60 ans où je suis ici. C'est que finalement, il faut compter uniquement sur soi-même. Mmh. Il n'y a pas de gouvernement suisse qui dit « l'Amérique va m'aider ». Il n'y a pas de gouvernement suisse qui dit « l'Allemagne va m'aider » ou « la France va m'aider ». Ou « nous allons avoir ceci ou cela ». Nous, les Suisses, on va s'aider soi-même. Mmh. On va se tenir sur nos pattes arrière et on va se battre si c'est nécessaire. Mais on va donner à tout le monde les possibilités et le courage de venir investir dans notre pays, parce qu'avec ça, ils vont faire quelque chose de positif. Rappelez-vous un peu la bataille que nous avons eue dernièrement pour le secret bancaire avec toute la communauté européenne. Parce que l'Angleterre avait envie de détruire le secret bancaire suisse pour que les banques anglaises, où il y a des possibilités d'avoir le secret bancaire aussi, dans certaines parties de l'Empire anglais ou de pays, ont essayé par tous les moyens, ils ont mis la Suisse sous pression. Et ce petit peuple de 7 millions s'est tenu, tous ensemble, les socialistes, les démocrates, tout le monde, tout ça inclus, évidemment moi-même, nous avons déclaré, non messieurs, nous n'allons pas annuler le système bancaire. Ils nous ont mis sous pression, ils nous ont menacés, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. On ne l'a pas fait, maintenant ils ont accepté nos conditions, pour le moment. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. Si on est réunis, on est unis soi-même, il ne faut pas compter ni sur l'Amérique, parce que l'Amérique, la première chose qui les intéresse, c'est l'Amérique elle-même, ce n'est pas le Liban. Et s'ils aident le Liban, c'est pour s'aider eux-mêmes. Ce n'est pas la France qui aime beaucoup le Liban, Chirac aime beaucoup le Liban, je sais très bien qu'il a beaucoup de respect pour le président Hariri, il l'a dit lui-même, et M. Schröder aussi, mais ce n'est pas au commencement pour aider le Liban qu'ils vont être là, c'est pour aider leur propre population. Nicolas Haig est connu pour être l'homme qui ne donne pas uniquement des idées, mais qui passe plutôt immédiatement à la réalisation. C'est une des raisons pour laquelle je travaille pour le Liban pour le moment, parce qu'il m'est impossible de passer à la réalisation. Vous avez justement mis le doigt sur le problème. Nicolas Haig, vous avez connu une enfance très heureuse. Vous étiez entouré de votre mère, de votre père, de vos tantes. Vous avez vécu dans une maison, il y avait beaucoup de femmes. Les tantes ont joué un rôle prépondérant, et la mère bien entendu. Quel souvenir en reste-t-il de cette époque? Beaucoup, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'intelligence autour de vous, beaucoup de capacité de gens de s'engager pour les autres. Une mère sensationnelle, aussi bien mère physique
que la mer Méditerranée, qui sont toutes les deux fantastiques, la mienne et la Méditerranée, un paysage absolument unique, une population extrêmement chaleureuse et sympathique, qui aide tout le monde, qui sourit à tout le monde, le sourire partout et beaucoup de soleil. Mmh. Tout ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas partout. Moi, j'ai une maison au Cap d'Antibes, entre Cannes et Nice. Ben, nous n'avons pas la moitié du soleil que nous avons au Liban. Mmh. Mais j'ai quand même dans mon jardin des oliviers. Et c'est au Liban, c'est les oliviers dans le Liban Nord que je possédais, mon père possédait, maintenant j'en possède une partie moi-même, plus les champs de blé que nous avons fait pendant la guerre, où à l'âge de 12 ans, j'ai dû aller regarder comment ils vont les paysans les couper et comment nous avons fait de l'huile d'olive. Par exemple, l'huile d'olive aujourd'hui, c'est une délicatesse. C'est comme le caviar en Europe, l'huile d'olive. Les Espagnols nous la vendent à des prix absolument sensationnels. Le Liban pourrait le faire, s'ils ne le font pas déjà. Nicolas Hayek, où reposent vos parents aujourd'hui? À Beyrouth. Ne mérite-t-il pas une visite de votre part? Ça oui, mais je vous ai dit avant, si je vais incognito, c'est la première chose que je ferai. Mmh. Ma femme d'ailleurs est allée avec mon fils il y a quelques années, incognito, ils ont eu un plaisir formidable à visiter tout le Liban, à aller à Baalbek. Là, tout récemment? Non. En 74? Oui. Et 28 ans de cela. C'est vrai. Ouh, le temps passe vite. Le temps passe vite. Nicolas Hayek, vous êtes connu d'avoir cette qualité énorme de semer la confiance et l'optimisme autour de vous. D'où émane cette qualité? Écoutez, parce que moi-même, pour commencer, je suis optimiste. J'ai beaucoup confiance dans ce que je peux faire et ce que les gens autour de moi font. Je fais confiance aux gens. Et puis, j'essaie de montrer le chemin tel que je le vois. J'ai quelques possibilités de vision pour les prochaines 5 années. J'ai l'impression que je vois ce qui va arriver, je prévois ce qui va arriver. Mmh. Et je réagis en conséquence. Et deuxièmement, je suis effectivement, du point de vue égoïste, extrêmement honnête dans le fait que je me pose toujours la même question. Si tu fais quelque chose et que ça apparaît demain dans les journaux, comment tu vas réagir à ça? Et si je me dis non, tu vas avoir honte de ceci, je ne le fais pas. Et alors, quand vous êtes dans ce genre de qualité, que vous avez autour de vous 20 000 personnes qui travaillent avec vous, plus une quarantaine de milliers qui travaillent avec vous en dehors de cette compagnie, avec le temps, ils s'aperçoivent comment vous êtes. Alors, vous leur donnez courage, vous leur donnez confiance, vous êtes calculable, ils savent ce que vous allez faire, ils comptent sur vous pour ça, ils savent que vous n'allez pas utiliser leur travail ou leurs possibilités pour votre bien à vous personnellement. Et puis j'ai eu une chance formidable, c'est que l'argent que j'ai gagné, c'est simplement parce que j'ai acheté les actions de cette compagnie qui sont montées d'une façon absolument astronomique parce qu'on est devenu numéro un mondial avec le travail de moi-même et de toutes ces personnes qui étaient autour de moi. Nicolas Hayek de la petite fonderie qui faisait des glaciers et de la fonte pour les chemins de fer suisses à la société de construction Hayek Engineering. Que reste-t-il de cette période triste peut-être à l'époque, mais aujourd'hui, avec du recul, source de bonheur. Elle paraît belle, grâce surtout à la motivation de la jeunesse et aux défis tracés du jeune Hayek. Oui, mais cette période n'a jamais été triste. C'était la période de pionnier qui était formidable. Elle n'a jamais été triste. C'est difficile, mais moi, je me rappelle le jour où, pour avoir mon premier contrat en Allemagne pour Hayek Engineering, il y a un Allemand qui m'a invité à venir à la Ruhr. À ce moment-là, les trains allemands avaient 4e classe ou 3e classe. Alors j'ai dû partir en 3e classe en train, parce que je n'avais pas l'argent pour ça. Et ma femme m'a acheté un nouveau costume. Mais elle l'a acheté chez Veillon, je l'ai dit à la télévision suisse dernièrement. Veillon, c'est une compagnie où vous achetez un costume et vous payez tous les mois 20 francs ou 25 francs. Et c'était une période extrêmement formidable, parce que c'était la période de pionnier. C'est là où j'étais en train de construire des choses. Et je n'étais pas du tout triste. Je n'avais pas le temps d'être triste. J'étais en train de construire. Rappelez-vous, vous étiez sur la plage et vous êtes en train de construire un château. Et puis les murs montent. Et puis vous voyez les murs monter. Alors vous n'êtes pas triste, vous êtes heureux. Grand homme, quelles sont vos qualités? Quels sont vos points forts et vos points faibles, si on peut en parler? Bah, écoutez, je suis un homme qui a bu la philosophie de l'antique. C'est-à-dire, je suis de la génération
méditerranéens dont vous êtes vous-même, et tous ceux qui nous écoutent ce soir, ou la plupart de ceux qui nous écoutent ce soir, qui vraiment étaient des sages de l'Antique, que ce soit en Grèce, ou au Liban, ou les Phéniciens, tous ces gens-là étaient des sages. Et si vous gardez cette sagesse, et si vous voyez cette planète avec les yeux réalistes d'un être humain normal, si vous n'oubliez pas que vous êtes normal comme tout le monde, si vous n'oubliez pas que vous n'êtes pas quelque chose de tout à fait spécial parce que vous avez 2,50 francs de plus dans une banque, à ce moment-là, vous êtes un être humain très fort. Et ça me rappelle un grand poème de Rudyard Kipling qui dit « If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, then you're a man, my son. » Si tu peux. Et moi, je peux. Nicolas Hayek, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, dans mon introduction, j'ai essayé de retracer l'histoire que vous alliez à votre épouse Marianne. C'était le tout début de mon intro. J'ai parlé de cette rencontre soudaine qui a eu lieu ici même, en Suisse. Vous êtes en train de traverser le tram. La rue là pour prendre le train. Vous l'avez aperçu, vous l'avez suivi. Oui. Vous avez essayé de la courtiser, elle vous a souri. Et depuis, l'aventure a commencé à être déclenchée. Dites-moi, Marianne, fut-elle une inspiration pour vous? Fut-elle une co-militante, oui. Un appui ou tout simplement une spectatrice? Non, spectatrice, ça vous ne pouvez pas dire du tout, attention. Sans elle, sans son appui, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait ici. Rappelez-vous, je n'avais pas le sou, j'avais 2 enfants et ma femme, si elle avait pleuré toute la journée en disant « Non, de pipe, qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir de faim. Tu commences une nouvelle compagnie, tu n'as pas d'argent. Bah, » je me serais demandé toute la journée « Est-ce que j'ai le droit de faire ceci ?» Or, elle a eu le courage de dire déjà à son père que j'étais un génie. Il s'est moqué d'elle, il a rigolé. Il a dit « Oui, c'est très bien que tu le crois, puisque tu l'aimes. » Et elle a effectivement traversé avec moi tous les moments les plus difficiles du début, qui étaient pour moi des moments de pionnier, sans à aucun moment avoir peur. C'est ça qui est terriblement important. Il y a des femmes qui ont peur, qui disent « Bah, maintenant, je n'ai plus rien à donner à mes enfants. » Mais elle n'a jamais eu peur, elle a toujours eu énormément confiance. Et ça, c'est une force de frappe qui est formidable. Mmh. Imaginez-vous, nous sommes ensemble depuis déjà 54 ans, ce qui en Suisse n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Après 3 ans, ils sont divorcés. Mmh. Dans le monde entier, pas uniquement en Suisse. Oui, bon, d'accord. Est-ce que l'amour a nourri votre imaginaire? Toujours, toute la vie. Mmh. Toujours, moi, sans passion, sans amour, je ne peux rien faire. Vous ne faites rien sans passion, sans amour. Vous êtes une machine. Nicolas Hayek, le Swatch Group est estimé aujourd'hui à des dizaines de milliards de dollars. À part le confort, à part le luxe, à part la richesse, en un mot, dont vous jouissez, votre fort intérieur a naturellement été affecté. Comment sentez-vous ce changement de votre intérieur? Je ne crois pas qu'il y ait eu un changement de mon intérieur. Si vous parlez aux gens qui ont travaillé avec moi pendant les derniers 30 ou 40 ans, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de directeurs, il y a beaucoup de politiciens en Suisse qui ont commencé à travailler chez moi, qui ont appris, j'étais un maître pour eux, qui vous diront, il est toujours le même, il n'a pas changé. Il a peut-être une voiture un peu plus grande qu'avant, il a peut-être 2 maisons, il a une villa au Cap d'Antibes, mais il conduit lui-même sa voiture tous les matins. Je fais tous les matins 100 km aller, 100 km retour pour venir dans mon bureau. Je suis toujours le même, je n'ai pas changé. Je parle... à tous les présidents des grands pays, à tous les ministres ici, tout le monde m'envoie des lettres de complimentation. Je reçois de plusieurs pays européens des diplômes, des décorations, mais je reste toujours le même. Pas parce que j'ai envie de rester le même, je suis le même. Et maintenant, je suis en train de parler avec vous. Moi, j'oublie qu'il y a peut-être 10 000, 100 000 ou 500 000 ou 4 millions de téléspectateurs. Beaucoup plus. Oui, parce que vous êtes quelqu'un de très populaire. Ils vont c'est parce que l'émission est diffusée dans le monde arabe, dans le monde entier plutôt. Oui, il y a, paraît-il, une princesse arabe à Qatar qui a dit à ma fille, j'ai vu votre père à la télévision, il était en train de parler avec Ricardo Cara. Alors, pour revenir à ça, si vous restez vous-même, votre propre personnalité, ça a beaucoup de valeur. Ça, vous le savez aussi. Nicolas Hayek, il a 5 ans, vous m'avez dit, vous avez avoué, comme quoi vous étiez insatisfait de la vie. L'êtes-vous toujours? Insatisfait? J'ai dit ça, moi? Oui. Vous avez dû attraper un sale jour, ce jour-là. Mmh.
Non, je, écoutez, je suis insatisfait parce que je n'arrive pas à stopper le temps, mais à part ça, je peux simplement remercier le bon Dieu, puisque je suis un croyant, que je suis en très bonne santé. Je n'ai pratiquement pas été malade toute ma vie. Tous les 10 ans, j'attrape une grippe, toucher le bois. Et j'ai une vitalité encore très forte. Je suis demandé partout. Si je marche dans les rues de Suisse, toutes les vieilles femmes s'arrêtent et m'embrassent. Et les jeunes femmes pour une fois. Oui, je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée à Zurich. En plein centre de la ville, à la Parade Plate, je marche un samedi pour regarder un peu les vitrines des horlogers bijoutiers pour voir comment on en montre ça. Et puis il y a une toute petite dame, toute petite, qui s'arrête devant moi, qui me dit « Ah, pour une fois, je ne vous vois pas à la télévision, je vous vois ici en chair. Je peux vous embrasser ?» Alors tout le monde s'est arrêté sur la place, il y avait des tas de gens, et puis ils ont applaudi quand elle m'a embrassé. Et puis il y avait deux jeunes filles qui étaient là, présentes. Je me suis dit « Maintenant, elles vont venir, elles ne sont pas venues. » Alors j'étais assez déçu pour ça. Non, c'est... en principe, vous ne pouvez pas aller avec moi dans une ville suisse sans que les gens vous arrêtent dans la rue, vous parlent, me demandent combien de monde vous avez, quelle heure est-il. Ou bravo pour ce que vous avez dit à la télévision hier. Et Nicolas Hayek, une fois de plus, nous allons nous arrêter avec une pause publicitaire. J'aimerais bien rappeler nos spectateurs, comme quand nous sommes ici à Bienne, nous sommes au bord du lac de Bienne et nous sommes entourés par le train. Donc il y a le sifflement du train qui ne fait que revenir et revenir. Mais quand même, c'est un plaisir. On voit qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent ici et beaucoup de gens aussi viennent travailler. C'est là pour rappeler à tous les Libanais que les trains suisses viennent toujours à l'heure et qui sont de très bonne qualité. Tout à fait. Avec son humour caustique, l'invétéré fumeur de Havane, Nicolas Hayek, vous l'apercevez, en train d'embraser son cigare. On le retrouve juste après cette pause publicitaire. Restez avec nous. Après cet arrêt publicitaire, retour à Nicolas Hayek. Après le 11 septembre, le monde entier a complètement changé. Et l'économie mondiale a connu des catastrophes et une ère épouvantable, tout simplement. L'industrie horlogère suisse a-t-elle été touchée? Et dans quelle mesure le fut-elle? La totalité de l'industrie horlogère suisse a été touchée. Et pas seulement l'industrie horlogère, l'aviation suisse, le tourisme suisse, tout le reste. Mais le Swatch Group, étant donné que nous sommes le plus grand au monde avec les 300 boutiques que nous avons dans le monde entier, avec les 320 compagnies que nous avons dans le monde entier, nous avons gagné des parts du marché. C'est-à-dire le Swatch Group n'a pas perdu. Mais l'industrie horlogère totale a avancé très très peu. Il y a eu une stagnation parce qu'elle avait eu des années qui étaient en constante hausse à cause évidemment de cette situation mondiale du consommateur qui est devenu complètement insécure, qui n'avait plus de sécurité. Nicolas Hayek, vous avez divisé le marché en trois parties distinctes. 95% pour le bas de gamme, 4,2% pour la gamme moyenne et 0,8% pour les montres de grand luxe. Ces catégories ont subi sans doute des fluctuations. Quel en fut le degré? Entre-temps, nous avons même créé une quatrième catégorie qui est la perle sur le gâteau d'anniversaire, qui est le grand luxe. C'est avec Breguet et les bijoux Breguet que nous avons créé ça. C'est nouveau depuis que je vous ai dit ça. C'est une création tout à fait nouvelle. Comment il y a eu des développements depuis le 11 septembre? C'est que le bas de gamme, il a continué à se développer fortement. Et le luxe et le très haut de gamme aussi. C'est-à-dire, le citoyen moyen, il a continué à acheter des montres comme d'habitude. Et les gens très riches ont continué à acheter des montres comme d'habitude. Ils n'ont pas arrêté. C'est dans le haut de gamme, après le moyen de gamme, c'est juste à la frontière moyen de gamme, haut de gamme, où il y a eu des faiblesses. Y a-t-il toujours des sultans de Brunei qui se procurent les montres à 4 millions de francs suisses l'une? Oui. Oui, nous vendons quelques montres par an à 4 millions de dollars la pièce, mais nous vendons beaucoup plus qui coûtent 1 million et nous vendons à peu près 5 000 à 10 000 pièces qui valent entre 200 000 et 500 000 dollars. Il paraît, on ne peut pas oublier dire, je vous dis, que le sultanat de Oman
a commandé la moitié de la production de, des Breguet. Bon, le sultan d'Oman, il a un grand musée, il a un des plus grands musées de Breguet du monde entier. Et il est évidemment très friand de montres Breguet, qui sont des montres très rares. Et il nous commande souvent des pièces. Nick Hayek, quand on fait de la pub, la plupart font de l'image. Je n'en fais pas, j'utilise le message. Et là, je cite vos propres propos. Mais c'est quoi la différence entre message et image? L'image ne correspond-elle pas au message? Pas du tout, mais pas du tout. L'image, elle est inactive, elle est passive. On peut l'interpréter comme on veut. Le message, il est actif, il est dynamique, il est rapide. Il vous donne, il vous suggère ce qu'il faut faire. Cindy Crawford et Pierce Brosnan, qui sont aux ambassadeurs parmi tant d'autres, sont-ils un message ou une image? Un message. Un message. Un message. Je me rappelle Cindy Crawford à Paris, qui montrait la montre Omega que je lui avais fait exprès pour elle en platine, et qui est une vraie amie, nous sommes terriblement des amis de famille ensemble. Il y a un journaliste qui, dans la salle, lui dit, « Madame, pourquoi vous trouvez que votre Omega est la plus belle? Moi, j'ai une autre montre, je ne vais pas vous donner le nom de la montre, une montre célèbre en Suisse, qui est plus belle. » Et dit, « Monsieur, on le voit bien, si je regarde votre cravate, c'est une question de goût, si je regarde votre cravate et la cravate des gens bien habillés ici, je comprends bien que vous préférez l'autre montre. » Elle est engagée pour notre compagnie. Et puis, elle est un vrai message. Elle va être l'une de nos prochaines invitées. J'espère. Isallarad. J'espère pouvoir la convaincre. Mais vous devez aller à Los Angeles. Il n'y a aucun problème. Pour elle, on ira partout. Oui, d'accord. Vous avez lancé la gamme de bijoux Omega. Cependant, ce lancement fut modeste et limité. Projetez-vous d'étoffer cette ligne et de la lancer sur le plan international? Elle n'a pas été tellement modeste parce que nous l'avons lancée à Paris et nous avons eu des commandes énormes sur les bijoux Omega. Seulement, nous n'avions pas les capacités de production assez fortes pour pouvoir la pousser. Et les bijoux, c'est une question de confiance. Vous ne pouvez pas aller acheter les bijoux quelque part dans le monde et puis les vendre comme Omega. C'est vous qui devez les produire. Alors nous avons dû, les femmes chez nous qui ont immédiatement pris ça en main, nous avons fait des ateliers de production et puis la production est en train de monter très fortement, mais les commandes que nous avons internationalement sont très fortes. Au début, nous avons dit nous allons les vendre seulement dans nos magasins Omega à nous-mêmes, mais les agents que nous avons dans le monde entier, les horlogers bijoutiers que nous avons dans le monde entier ont commencé à rouspéter. Et vous voyez ce microphone derrière avec un collier Omega avec moi. C'est durant le lancement des bijoux Omega, mais maintenant ça va très très bien. Vous avez les cheveux bien coupés ici? Aujourd'hui pas. Un peu mieux coiffé. Oui, d'accord. Que la fois dernière. Nicolas Hayek, l'affaire Smart a très bien marché. L'idée de base suit la vôtre, vous vous en êtes retiré par la suite, au fond de vous-même, n'y a-t-il pas un certain sentiment de regret? Pas du tout, mais alors pas du tout. Pas du tout, si vous saviez les raisons pour lesquelles je l'ai laissé tomber, vous comprendriez que, heureusement que je l'ai fait. C'était une vision très rapide de ce qui allait se passer. Alors, il y a un film qui est en train d'être préparé sur l'opération Smart, qui va être donné aux télévisions européennes. Et là, le président de Mercedes dit, sans Nicolas Hayek, nous n'aurions jamais fait la Smart. C'est lui qui est le père de ça. Alors, j'étais président de cette compagnie commune. Nous avons construit une usine que Hayek Engineering avait conçue, une usine très moderne, en France, justement, parce que Chirac était venu me voir et que le gouvernement français nous a offert des avantages multiples en Lorraine, là où il y avait les houillères. Nous avons construit une grande usine à Hambach. Et nous avons inauguré ça avec le chancelier allemand, dont j'étais le conseiller, Helmut Kohl et M. Chirac, qui ont fait tous les deux de grands discours. Et le lendemain, je me suis aperçu qu'une partie de la technologie que Mercedes nous avait donnée ne fonctionnait pas du tout. Qu'il fallait faire des tas de réparations sur la montre. Et les accords que j'avais avec Mercedes, malgré que j'étais président de cette compagnie-là, disaient que le prix ne devait pas dépasser à peu près 7 à 8 000 francs suisses, ou si vous voulez, en dollars, à peu près 5 à 6 000 dollars. Puis on s'est aperçu que ce n'était pas possible, il y avait des tas d'erreurs, vous avez entendu les histoires des voitures qui sont tombées, des trucs qui sont changés. Et chez Mercedes, 1 million de francs suisses, c'est à peu près comme le pourboire que je donnerais dans un restaurant. Alors ils dépensent l'argent énormément, c'est une compagnie qui est très riche, qui est très décidément, forte. Vous en donnez beaucoup. Oui, pardon. Décidément, vous en donnez beaucoup. Oui, mais certainement pas 1 million. Ça, vous pouvez être sûr. Je ne dépasse jamais les 100 francs, si vous voulez. À Suisse. Que ce soit une grande... Oui, les 100 francs suisses, évidemment. À moins que ce soit une énorme fête, si je suis seul avec ma femme, c'est ce que je disais. Alors, nous avons fait les calculs avec Mercedes et je me suis aperçu que les pertes, les premières années,
dépassé pratiquement les bénéfices de cette compagnie. J'aurais dû payer la moitié, parce que ça nous appartenait à la moitié. Alors je suis allé chez Mercedes en disant, attention, moi je vous ai averti, vous avez tous les protocoles que vous faites des erreurs ici, vous allez me repayer tout l'argent que j'ai payé sans aucune perte, et vous allez me donner un grand bénéfice là-dessus, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et puis je leur ai redonné ça, mais je leur ai repris avec moi la voiture hybride, c'est-à-dire nous avons donné le Smart, mais la voiture hybride est encore avec nous, et nous sommes en train de la discuter avec d'autres. Malheureusement, Fiat a trop hésité pour la faire. S'ils avaient fait l'hybride avec nous, Fiat n'aurait pas eu les problèmes qu'ils ont eu maintenant. Nicolas Hayek, sur le site internet du groupe Swatch, vous recevez le visiteur avec vos propres mots et vous vous adressez à lui en disant « Le groupe Swatch a une culture émotionnelle spéciale. Nous produisons beauté, sensualité et émotion dans nos montres et nous produisons également du high-tech sur vos poignets. Nous voulons que nos clients soient heureux. L'émotion et la poésie sont ce que nous ressentons à l'égard de la clientèle. Merci d'avoir visité notre site, Nicolas Hayek. Vous avez un site poétique, non? Non, je vous ai dit avant, je suis un méditerranéen qui est extrêmement, qui a beaucoup de philosophie, qui a hérité des siècles de philosophie derrière lui. Et beaucoup de sensibilité aussi. Oui, beaucoup de sensibilité. Et puis ce que je dis ici, c'est la vérité. Et les gens s'attachent au monde. C'est une belle chose, le monde. C'est la première industrie du monde, rappelez-vous, avant que les Anglais aient inventé le moteur à vapeur, on avait déjà des montres. Si vous voyez les robots de Jacques Hédreau, c'est des robots qui jouent le violon, qui écrivent, qui jouent au piano, qui ont été faits il y a 200 ans. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque. On les remontait comme une montre, à la main. Et Jacques Hédreau a été arrêté en Espagne par l'Inquisition en disant « Vous êtes un sorcier, on va vous brûler ». Il a dû démonter son robot pour leur montrer que c'était une vraie machine qu'il avait faite et leur expliquer comment elle fonctionne. Donc c'est une des premières industries du monde. Et elle a été inspirée très fortement par Breguet qui a pratiquement tout inventé, les tourbillons, les répétitions minutes, toutes ces choses extrêmement fantastiques que tout le monde veut avoir aujourd'hui. Une montre Breguet, c'est un tableau. C'est pas du tout une montre où vous regardez le temps, parce que le temps, vous le regardez à la gare, si vous voulez. Vos deux poignets sont tapissés de montres, on peut les voir? Oui, vous pouvez les voir, évidemment. Ça nous donne beaucoup d'envie, finalement. Oui. Alors, il faut regarder cette multitude de montres sur les poignets de M. Hayek, des montres triées sur le volet, et des montres de différentes marques. Et je vois ici une Breguet, je vois également une Swatch, je vois une... Quoi, c'est une Radeau, celle-là? Oui. Une Radeau, voilà. Une Omega de ce côté. Blancpain, Glashütte. Glashütte, ça je ne connais pas. Glashütte, c'est une marque allemande que nous avons achetée, qui est une marque de luxe, extrêmement formidable, qui ajoute à l'exactitude des Suisses, à la technologie des Suisses, un peu la solidité des Allemands. Alors le chef de M. Pfeiffer, qui travaille là-bas comme chef, qui avait créé cette compagnie, nous l'avait vendue après, dit toujours, c'est une montre teutonique. C'est une belle montre. Parlant de montre, parlant de temps, Nicolas Hayek, nous allons nous arrêter une fois de plus. Et ça va être la toute dernière fois avant de clôturer cette émission. Et cet entretien passionnant avec vous. Restez avec nous. Nicolas Hayek, vous avez tout le temps dit, il y a deux choses auxquelles on ne peut pas échapper dans la vie. La mort et le paiement des impôts. Les impôts, c'est vous juste. En payez trop? Oui. Tout le monde considère qu'il paye trop d'impôts, mais moi je paye des millions d'impôts. Je n'ai jamais caché un sou, malgré qu'en Suisse vous pouvez avoir des comptes bancaires cachés, je n'ai jamais fait ça. Vous vous rappelez, j'ai dit, si aujourd'hui, demain dans un journal quelque chose apparaît, est-ce que tu vas avoir honte? J'aurai honte. Alors je ne le fais pas. Et je paye des impôts. En profitant de toutes les possibilités qu'un citoyen suisse peut avoir dans un canton où j'habite, où j'ai des allègements de taxes, mais ça me fait quand même beaucoup de millions de francs suisses par an. J'imagine. Ouais. Vous êtes reconnu aujourd'hui comme le professeur de stratégie mondiale, même aux États-Unis, voire Harvard et MIT. Vous êtes titulaire du titre de docteur honoris causa de l'Université de Bologne, de l'Université de Neuchâtel. L'Autriche vous a décoré au titre de sauveur
de l'industrie horlogère, avec le grand insigne d'honneur, avec étoile de la République d'Autriche. Vous avez été élu l'entrepreneur le plus respecté en Europe. Vous avez une profusion de décorations et de titres. Vous êtes lié d'amitié avec tous les grands de ce monde. Et encore. Oui, mais seulement il faut dire peut-être à tous mes amis au Liban que la Suisse ne m'a pas donné de décoration de Légion d'honneur parce que c'est défendu en Suisse. Il n'y a pas de décoration de Légion d'honneur pour personne. Le gouvernement suisse m'a dit quand les Autrichiens m'ont donné ça. Ben, on est content que les Autrichiens t'ont donné ça parce que chez nous, la loi nous oblige à ne pas t'en donner. Et encore, bon, écoutez, tout ça, c'est les honneurs que vous recevez, c'est un peu de la fumée. N'oubliez pas que nous sommes tous cendres et nous allons redevenir cendres. Rappelez-vous de ça, vous gardez votre modestie. Oui, c'est content, je suis content. Surtout ma femme est heureuse et ma fille est heureuse. Et mes collaborateurs sont heureux quand un premier ministre me donne une décoration ici. Et puis, tous les journalistes sont là et puis ils me demandent, monsieur Ayer, comment vous vous sentez là-dedans. Mais en principe, c'est pratiquement... Le lendemain, c'est la même chose. Parlant de modestie, vous avez dit un jour... J'ai la folie des grandeurs, mais je suis modeste. Je pense que c'est une confession qui est un peu ambiguë, vous ne trouvez pas? Moi, je pense à l'échelle planétaire. Mais je suis tout à fait modeste, je réalise que je suis un homme tout à fait normal comme tout le monde, avec les moyens normaux comme tout le monde, que je n'ai pas plus de puissance qu'un homme un peu au-dessus de la moyenne. Tout ça, je le reconnais, mais tout ce que je le fais à l'échelle planétaire. Nicolas Hayek, dernièrement, on est en train de voir trop médiatiser votre fils Nick Junior. Est-ce qu'il y a une raison particulière? On le voit de plus en plus dans les médias. Oui, parce qu'il y a la légende Hayek en Suisse. Elle existe. Elle existe. Il y a la dynastie Hayek. Il y a des tas de gens qui veulent écrire des tas de livres. Je dois refuser tous les jours des tas de livres. Il y a eu un article derrière moi dans un journal de Lausanne qui disait qu'il a eu une chance carabinée de vivre dans une atmosphère de talent, de génie, toute sa vie, toute sa jeunesse. Et évidemment, mon fils... C'est celui qui me remplacera définitivement le jour où je serai mort, qui me remplace en partie aujourd'hui, et qui quand même a un empire qu'il dirige, qui est vraiment d'une importance capitale pour la Suisse. Nous avons évoqué le mot talent au sein de la famille Hayek. Est-ce que vous avez toujours cette belle voix? Vous avez le don de chanter. Oui, mais... Si j'essayais maintenant, ce serait la catastrophe. Il y aura tous les téléspectateurs qui vont fermer la télévision. Je ne pense pas du tout. Il y a une voix langoureuse et une voix chaude aussi. Nicolas Hayek, estimez-vous avoir conquis le monde entier? Non. J'aurais bien voulu l'avoir conquis. On aurait la paix maintenant. Je dirais à M. Bush de rester tranquille, à Saddam Hussein de rester tranquille, à M. Charon... De rester tranquille et puis on verra comment on va faire pour que tout le monde soit heureux. Je n'ai pas conquis le monde entier, malheureusement. Nicolas Hayek, le monde arabe, vous n'êtes pas tellement familier. Vous avez commencé à l'envahir à travers vos produits depuis quelques années. Ce soir, vous avez fait intrusion dans le foyer et dans le cœur de millions d'Arabes et de Libanais partout dans le monde. À votre avis, quelle image aurait-il de vous? Écoutez, nous avons, je dirais, négligé une grande partie des marchés des pays arabes dans le temps, pour plusieurs raisons. La première, nous avions évidemment besoin de survivre. Rappelez-vous, nous avions des dettes chez les banques, tout le monde disait que nous allions mourir, il y a de ça 20 ans. Il fallait survivre, donc il fallait immédiatement essayer de vendre ici, en Europe. Alors nous avons conquis l'Europe. Après avoir conquis l'Europe, c'était le Japon, puis c'était l'Asie, l'Extrême-Orient, où c'était beaucoup plus facile pour nous. Et puis après... Nous nous sommes aperçus que finalement, les pays arabes sur le Golfe, y inclus les pays méditerranéens, c'est finalement nos confrères, ce sont des gens qui ont énormément de sensibilité, énormément de sentiments. Ce n'est pas des gens méchants comme des tas de gens les décrivent, au contraire. C'est des gens qui, exactement à cause de leur sensibilité, à cause de leur façon de réfléchir, de leur fairness, sont déshérités quelquefois dans un monde où tout le monde pense à la force plutôt qu'à autre chose. Et puis nous avons gagné beaucoup de sympathie pour la plupart de ces populations. Et puis nous avons fini par créer sur place ce qu'il fallait pour pouvoir leur servir. Je ne veux pas les envahir, je veux les servir en leur donnant de belles choses, en leur donnant des choses qui leur font plaisir. Et puis
Nous avons commencé il y a 2-3 ans et ça se développe d'une façon absolument sensationnelle. Nicolas Hayek, je vous remercie d'avoir pris part à cette émission. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous rencontrer. Souhaiteriez-vous clôturer cette émission à votre façon ou la signer à votre façon? Oui, bon, écoutez, moi j'ai été interviewé, sans exagérer, pendant des milliers de fois, par pratiquement toutes les télévisions du monde. Je ne peux pas m'imaginer, même les télévisions russes, polonaises, roumaines, bulgares, etc. m'ont interviewé, évidemment la Corée du Sud et le Japon en plus. Et il y a la qualité de l'interview dépend énormément de l'intervieweur, c'est-à-dire de la personne qui est en face de vous. Si la personne en face de vous n'a pas de niveau, elle est en train de vous poser des questions stupides, ben, vous n'arriverez pas à répondre qu'avec des réponses plus ou moins intéressantes. Or, j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec vous parce que le niveau de la discussion est tellement haut qu'on peut vraiment exprimer les idées nécessaires pour pouvoir les développer très rapidement pour que le public comprenne de quoi nous parlons. Et je vous remercie pour ça, j'ai toujours du plaisir à discuter avec vous. Et je vous remercie tous les téléspectateurs qui ont eu vraiment la patience de rester pour nous entendre ce soir. Moi, je me considère flatté. Et puisque nous avons commencé en arabe, M. Hayek, j'aimerais bien clôturer en arabe. Ana bachakarak. L'anak shirakat biha al-hala. Bathab tsalam ala hada bi Libanin. Tous les Libanais. L'arabe. Quel est Libanini? Quel est Libanini? Quel est Libanini? Salutations. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Ou bhab choufoun. Bhab choufoun. Ariban bi Libanin. Prochainement, Ariban bi Libanin. Comment on dit Ariban. Ariban bi Libanin. Tosbahou ala khair.